Hello to you watching us in Cameroon and across the globe. Welcome to the midday news on CRTV. And CRTV News presented by Gaël Obono and me, Gilbert Ongene Anya, in Yaoundé. Bonjour Gaël. Bon après-midi, Gilbert Ongene. En titre du 12h, exit le Ngondo 2020, l'événement traditionnel du peuple Tsawa, célébré du 7 au 13 décembre 2020 sur le thème « L'exhortation de la jeunesse » s'est tenue dans un contexte particulier lié au coronavirus. Les détails, c'est dans ce journal. Art musical, Athée Bazor est le nouveau président de la Société nationale camerounaise d'art musical. Il est donc le président de la société de la SONACAM. Les défis de la SONACAM dans ce journal. Enfin, en sport, le 12h fait le point sur le sujet de la course cycliste régionale, la 10e édition à Garoua. Éric Rodrigue Nounawe engrange une 3e victoire d'affilée. Voilà pour les titres. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Ngondo has just ended in the banks of the River Vuri, and the focus on this 2020 edition of the festival is on exhortation of the youths. Our littoral regional correspondent, Alphonse Abongwa Achu, is standing by. Hello, Alphonse. What's the latest there? Effectively, Ngondo has gone down the annals of history for this year 2020. It's been a very special one, like you rightly said. Special in the sense that this year the ancestors have sent a special message, which is that of continuity. They have called on the older generation of Sawa people to be able to transmit the values that they have to the younger generations. This year's theme, which has been that of exhortation of the youths, comes out clearly here, and so there is supposed to be a transgenerational transmission of the values. Equally, this year we've noticed that the Ngondo has held not like the previous years because of the current context, which is that of COVID-19. The population that usually troop into the Ngondo traditional village here did not troop in this year, and so but they had to mark this event this year with so much respect for the rituals that usually characterize the event. It is all over here at the Ngondo village, but the message has gone very deep into the ears of the younger generation and those of the older generation. They are supposed to sit back and listen to the elders who will transmit these values so that the customs and traditions of the Sawa people will not disappear. Alphonse Abongwa Achu for CRTV News at the Ngondo village. Thank you very much indeed, Alphonse Abongwa Achu. We talk religion now. Christian faithful of the Église Evangélique du Cameroun, Briqueterie Parish, are this Sunday celebrating their harvest thanksgiving for this 2020. The church service that is underway is the way of the faithful to extend gratitude to God for all the protection throughout this year and for the growth of their families and of the church. The harvest thanksgiving at the Église Evangélique du Cameroun, Briqueterie Parish, which ends next January 3rd, 2021, is taking place under the theme Peace and Perseverance in Trials. The Center Synod of the Église Presbyterien du Cameroun is today closing its 46th annual extraordinary session. The ceremony marking the end of the session, which opened last December 8, is taking place at the Jongolo Parish here in Yaoundé Consistory. The high point of the event is the presentation of newly appointed delegates of the Center Synod of the Church. Among these is the Synod Moderator, Reverend Jacques Didier Kwa Onana, in charge of coordinating activities for 2021. They have been urged to promote peace, love and forgiveness amongst believers for a peaceful church and the country.
Et bien sûr, la suite, c'est en français. Nous parions en titre du Ngondo 2020 qui se clôture aujourd'hui. Cet événement qui s'est déroulé du 7 au 13 décembre 2020 s'achève ce jour. Un événement traditionnel du peuple Sawa dans un contexte sanitaire lié au coronavirus. Retrouvons sur le terrain Steve Chiga et Kebenge. Bonjour, comme qui dirait, la messe est dite ici au bord du Vouri, sur les berges. La cérémonie de clôture du Ngondo 2020 vient de s'achever. Les chefs, leur majesté, viennent de quitter les lieux après avoir laissé et partagé le message qui était attendu, celui des ancêtres. Un seul mot, continuité, transmission du patrimoine des anciens aux nouveaux, on va le dire, des anciens aux jeunes, les jeunes justement, qui ont été exhortés à mettre le bras à la préservation du patrimoine. C'est aussi un discours pour le développement durable, penser à gérer les ressources d'aujourd'hui en pensant à demain. Évidemment, c'est un discours du Ngondo qui, au-delà d'être une fête traditionnelle et rituelle, est une institution qui veut mieux manager la vie, et les jeunes restent motivés. Ce message va au-delà de l'ère Sawa. C'est un message qui devrait parler à toute la jeunesse. CRTV News, sur les berges du Vouri, Steve Chega et Kembenge. Merci infiniment Steve Chega et Kembenge pour toutes ces informations au sujet du Ngondo 2020. Et nous poursuivons en religion. Les chrétiens de l'église évangélique du Cameroun, paroisse Briqueterie 1 de Yaoundé, célèbre en ce moment même à la fête des récoltes des conseillers paroissiaux sous le thème « Paix et persévérance dans les épreuves ». Le culte animé par le conseiller Christian Batake Kouedi à travers des chants liturgiques d'adoration, prières d'illumination. Et dont la clôture de cette fête des récoltes est prévue ce dimanche 13 janvier 2020. Nous poursuivons en religion. L'unité de l'Église et autour des autorités dirigeants qui incarnent l'autorité divine, c'est le message véhiculé par la mission chrétienne de la parole parlée autour d'une campagne d'évangélisation, au cœur d'une campagne d'évangélisation menée à Messamena dans le département du Oignon, c'est dans la région de l'Est. C'est un reportage d'Étienne Pascal Azigui. La mission chrétienne de la parole parlée prêche la paix, l'unité et surtout le respect de ceux qui sont garants de ces deux concepts au Cameroun. Le message est adressé aux fidèles de Messamena au cours de la campagne d'évangélisation, baptisés, unis sous une seule tête. On doit passer partout, faire comprendre aux gens que l'unité est quelque chose qui vient de Dieu. Si nous sommes unis à Christ et que nous sommes unis aux autorités, tout marchera bien. Il n'y aura pas de guerre que nous enregistrons aujourd'hui. Les responsables de cette église ont dévoilé cette pyramide qui symbolise l'union des cœurs dans le Christ. La grosse pyramide, c'est le corps, l'église. Et la tête, c'est Christ qui vient coiffer. Donc, ça symbolise Dieu avec son église. Les fidèles sont ainsi invités à être de véritables messagers de la paix partout dans le département du Oignon, région de l'Est. Time now to move over to Studio 4 to meet Nda Kilian Defon, who is signing his comeback after the election campaign break for Press R. Hello, Kilian. Our viewers at home and abroad are anxious to know what you have for us this Sunday. Kilian, in a moment. Kilian Dan Defon, are you there? Okay, we'll come back to him in the course of this newscast. The news continues in French, Gaël Obono. Absolument, Gilbert. Et nous parlons société. Les personnes vulnérables, du maillot d'Arlé dans la région de la Damawa ont bénéficié cette semaine de l'attention de la commune des orphelins. Personnes âgées handicapées ont reçu des appuis financiers et matériels. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Charles Gall, le préfet du Mayo Bagnou. Michel Renaud Wandia nous en dit plus. Le volet social occupe une place importante dans les projets de la commune de Mayo d'Arlé. Pour un meilleur épanouissement des couches vulnérables, l'exécutif municipal, conduit par Dada Fatimatou, épouse d'Ewa, a remis des appuis financiers aux personnes âgées, aux orphelins et personnes handicapées qui ont reçu des tricycles.
Un geste vivement salué par Charles Gaulle, préfet du Mayo-Bagnon, ainsi que les bénéficiaires. Un remerciement indéfiniment. Nous sommes vraiment fiers et très fiers de ce qui est, avec le geste qui est vraiment fait par notre main. Disons tous merci, merci infiniment et que cela continue vraiment davantage. Au cours de la dite cérémonie, certains parents sans moyens ont vu des actes de naissance être établis pour leur progéniture. Art musical, Athé Bazor est le nouveau président du conseil d'administration de la SONACAM, la Société nationale camerounaise d'art musical. Il a été élu au terme de l'Assemblée générale qui s'est tenue ce samedi au palais des congrès de Yaoundé. Et quelques rappels utiles sur la longue marche vers une SONACAM utile et bénéfique à tous. C'est un commentaire de Serge Atangana-Bissou. Il vit le désastre, le président Paul Biya, chef de l'État, mais il ne pleura point. Plutôt, une instruction ferme dans les années 2016-2017 pour un assainissement profond du monde du droit d'auteur. La SONACAM naît ainsi en décembre 2017, le 9. Un consensus se dégage autour du profil Sam Fantoma comme PCA pour 3 ans. On attend les textes suivants. Statut, règlement général, code électoral. Son équipe et lui brandissent plutôt 3 répartitions des droits en 3 ans, là où on espérait minimalement 3 par an, donc 9. Il se bombe le torse, 1 milliard dans les caisses. Les seules compagnies de téléphone pourraient verser 475 milliards l'an, si le système de collecte est affiné, sérieux. Du cahier de charge de décembre 2017, élaboration des textes, plus rien. Pire, 36 fautes. Comme les plaies d'Égypte, faute de gestion, dépassement de fonction, auto-octroi d'avantages de roi, les mêmes droits à la suspension de mandat il y a 3 mois. Le ministre pleure ses arts et sa culture, il a mal à la tête. Encore le droit d'auteur, encore les musiciens. Des concertations s'enchaînent et aboutissent à ces textes fondateurs, en à peu près 6 mois d'échange. Et le 19 septembre 2020, 1300 artistes musiciens ont assisté à l'adoption de ce code électoral et autres statuts. Et ce 12 décembre 2020, la baguette du maestro est remise à d'autres têtes, nouveaux profils. La musique doit se jouer et on doit payer ceux qui la jouent à l'aune de leurs efforts ou de ceux de leurs muses éclairées. If you are just joining us, you're watching the midday news on CRTV and CRTV News. We move over to this story where cooperation between the Supreme State Audit Office and civil society organizations has been reinforced to better monitor the mining sector and manage public finances. A meeting has taken place to that effect in Yaoundé and it was launched by the minister delegate at the presidency of the Republic in charge of the Supreme State Audit Office, Mba Acha Rose Wamundam. The 2-day workshop, of course, dwelt on how better to manage the mining sector in the country. We have details with Natasha Lehmann. The meeting enabled officials of the Supreme State Audit Office and national civil society organizations to put in place mechanisms to improve governance in the extractive industries and strengthen cooperation. The encounter follows a partnership which was signed between CONSUPE and mining regulatory organs. We have the same objective of accountability, transparency, and making sure that the rights of the citizens are protected. So this meeting of today is, in fact, is to reassure them that we are in the same field and that we have the same objectives and that working together in synergy, we will reap more for our citizens and in so doing, we'll attain our objectives. The session was technically assisted by the Extractive Industry Surveillance Improvement Project, PASI. The Club of Spouses of Cameroonian Diplomats has held an annual gathering. This took place in Yaoundé yesterday with a plan to construct a new building to host their activities henceforth. Charles Ebune, you tell us more.
3 × 7 = 21. For 21 years now, the circle of spouses of Cameroonian diplomats has been existing to enhance solidarity amongst them. To exchange vital information among members. These vital informations are shared among members when there is a departure for members to go abroad and when there is a return coming back to Cameroon. Each year, especially at the end of the year, they come together to evaluate their activities. And this year, sanitary diplomacy, because of the coronavirus, has determined their actions. The years ahead, we have a project that is very dear to our heart. That project is to build a house. That house, we are going to call it La Maison de l'Épouse du Diplomate. At this year's end of year party, they are joined by their friends, colleagues, and other well wishers to evaluate how the year has unfolded together. We have shared the little that we have with underprivileged people around us. We have shared the little that we have with women who suffer from cancer. The Circle of Spouses of Cameroonian Diplomats is a voluntary association with a common goal to keep contact among the wives of Cameroonian diplomats. Rural women in Okola, we are in the central region of Cameroon, have been saluted and congratulated for their agricultural prowess so far in that locality. This was during the handing over of some agricultural tools and materials in Konambenk in commemoration of the 25th edition of International Rural Women's Day. We had details with Rabiatu Njingi Abdulaziz from CRTV Center. Partie prenante de la promotion du développement et de la lutte contre la faim, les femmes rurales de Kola ont investi la place des fêtes de Konabeng à l'initiative de Karine Donsoumet, non seulement pour célébrer leur journée, mais également pour exposer le fruit de leur labeur et recevoir la reconnaissance de toute la communauté de Kola. Attestation de fin de formation, prix d'excellence et outils de production ont été remis pour rentabiliser davantage leur production. La formation en teinture me permet de bien vivre. Parce que avec la teinture, je peux fabriquer les draps que je peux revendre et les cabas. Dans le but de conforter la place prépondérante qu'occupe le département de la Léké dans la production agricole du centre, le bon usage du matériel reçu. The French language, we remain in the central region this time in Yaoundé to talk about some orphans in Yaoundé who have been donated food items for the celebration of the end of year feast. This was during a ceremony organized a Saturday evening in Yaoundé by a humanitarian organization. Romeo Kenyi tells us more. The 320 orphans have been drawn from orphanages across Yaoundé. With the gift offered them by the Humanitarian Association Without Border, the youngsters believe it is a sign of relief for upcoming end-of-year feast. It's a big surprise for me because it is not something that I usually have. So I'm very happy. I'm so happy with my friends and my brothers everywhere. We are so happy and thanking God for that. I will learn how to share also to others as they share us today. The association's vision is reaching out to 3,000 orphans within and out Cameroon in the next 5 years. Children are living in very bad conditions, so we are planning to build an orphanage for all those groups so that they can live in good condition, sleep in good condition, and live, as you know, as the Sustainable Development Goal said. The next occasion for a similar gesture has been slated for next year in December. Now talk sports. Cameroon's Intermediate Lions have made 2 wins in 2 outings at the ongoing Festi Solidarité Sports Tournament taking place at the CAF Excellence Center in Bankomo on the outskirts of Yaoundé. The squad got their 2 goals in the second half of their game against AS Fortuna. As you tell us, Daniel Ekonde. A difficult first half marked by rainfall didn't deter the Intermediate Lions from continuing a clean sweep in the Festi Solidarité Tournament in Bankomo.
the foot soldiers, found it difficult to penetrate AS Fortuna in that segment. But second half talks from the coaching bench put things in order. Jouer en piston de manière à ce qu'il dure. Laissez un peu ces jeunes gens jouer avec un joueur. That resulted to a 69th minute netting by Bertrand Mani to put the Lions ahead. Then 11 minutes after, striker Junior Kemaju doubled the lead. That was enough to end Martin Tungumpile and his boys a 2-0 win, just another victory in the tournament after a 3-0 bashing of Kanong on day one. Every day we are putting in place a new strategy that we'll face another match, another phase. That we take each game at a time. So this game has come and passed. So we are looking forward to play another strategy we'll face the next game. Their next game is this Tuesday against Colombo of the Jar and Lobo. The Festi Solidarite is a warm-up competition to prepare the Lions in view of next month. À présent, la page magazine du 12 heures. La célébration du Ngondo ce jour est l'occasion d'aller à la découverte de la lutte traditionnelle Sawa, le Bessoa. Le Bessoa est donc cette lutte qui avait pour objectif d'éviter des bains de sang. Les ancêtres de Yabassi avaient décidé de sélectionner des champions représentant chaque canton. Et nous en parlons tout de suite avec notre correspondant de CRTV Littoral. Exhibition de muscles, explosion de testostérone. Les champions dans l'arène s'affrontent pour l'honneur de leur canton. Le Bessoa, lutte traditionnelle, est une des attractions majeures du Ngondo. La fête culturelle Sawa y tirerait ses origines. C'est grâce à la lutte qu'est né le Ngondo. Parce qu'il y a plus de 300 ans aujourd'hui que le Ngondo est né, il y avait des guerres, des bains de sang pour l'acquisition de certaines terres. Et nos ancêtres ont eu l'idée géniale de préparer chaque combattant pour défendre son clan. Et les deux combattants préparés s'affrontaient mutuellement. Celui qui gagnait avait le droit de récupérer cette parcelle de terrain, tout cela pour éviter les bains de sang. Donc, vous êtes sans ignorer la formidable histoire de Malobé Ngominga, qui a plus de 300 ans aujourd'hui. Malobé, c'était un tyran qui agressait tout le monde, violait les femmes et tout. Nos parents, nos chefs, à l'époque, étaient déjà fatigués de ça. Ils ont préparé traditionnellement et mystiquement un combattant qu'on appelait Ngominga, qui était tellement petit de corps, et il avait à peine 50 kilos, contre une muraille de 2 mètres et plus de 200 kilos. Mais ce dernier a terrassé ce Goliath et l'a ligoté, et on l'a vendu comme esclave chez les Blancs. C'est donc comme ça que, de façon historique, c'est devenu une manière pour les Sawa de régler leurs conflits. Soit entre villages, entre personnes. Donc si par exemple un village X avait un problème avec un village Y, le village X envoyait son plus grand lutteur qui devait affronter le village Y. Et le vainqueur, il faut préciser que le champion, le lutteur du village qui remportait la victoire, avait droit à la plus belle fille du village qui a perdu. C'est donc effectivement la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que l'histoire du Ngondo même est basée sur la lutte. Parce qu'aujourd'hui, on voit la compétition des lutteurs, la lutte en elle-même, et on voit la compétition des miss. Mais il faut aussi préciser que c'est étroitement lié, parce que moi, en tant que champion du Ngondo, normalement, la miss de cette année, de façon culturelle, elle est ma femme. Et
Un merveilleux reportage sur le Bessoa, la lutte traditionnelle Sawa. Autre actualité en sport, course transrégionale, précisément la 10e à Garoua. Éric Rodrigue Nounawe engrange une 3e victoire d'affilée. Le coureur Progiciel Vélo Club vient de remporter la 3e étape Figuil-Garoua. 95 km de trajet avalé en 2h et 29 minutes. Le point avec Luc Perry-Wangé à Garoua. Tout sourire, mais manifestement exténué, Rodrigue Nounawe franchit en vainqueur la ligne d'arrivée de la 3e étape de la transrégionale sous les ovations nourries des populations de Roum Dehadia. On le savait déjà excellent sur terre avalonnée. Sans coup faire rire, Nounawe a survolé le plat du trajet Figuil-Garoua, 95 km, en seulement 2h et 29 minutes. J'ai attendu dans les 35 derniers kilomètres pour me mettre au boulot. C'est là où j'ai flanqué ma première attaque. Et parti avec mon coéquipier Molo Fabrice, on a roulé jusqu'à ce qu'on a retrouvé l'arrivée. Vainqueur des deux premières étapes, Ayos Maroua et Maroua Figuil, Nounawe conserve le maillot jaune et au compteur creuse l'écart avec ses concurrents immédiats. C'est pas facile avec eux de se détacher du peloton. Pour se détacher du peloton, il faut donner plus d'attaques avant de partir. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne peux pas bouger du peloton. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de bouger le peloton pour donner les accrocs aux coureurs avant de flanquer mon attaque idéale. Grâce à Nounawe et son coéquipier Fabrice Molo arrivé deuxième, Progiciel Vélo Club est doublement représenté sur le podium de l'étape Figuil-Garoua. À l'affût, il y avait Ronny Mouma. Il finit troisième à seulement 5 minutes du vainqueur d'étape, double vainqueur de la transrégionale. Ronny a l'habitude de la compétition et devrait avoir son mot à dire au cours du critérium de Garoua prévu ce dimanche. Un circuit fermé de 80. Well, that's how we call it quits on this edition of the Midday News on CRTV and CRTV News. But don't you go away. Up next is a Press R, which is signing its comeback after the regional council elections and campaign break. Kylian Dan Defon and his guest will be taking you in just a few minutes from now after this newscast. Until then, it's bye from us. See you next time, Gaël Obono. Absolutely, Gilbert. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin du 12h. Nos programmes se poursuivent sur les antennes de la Cameroun Radio Télévision. Each of us must comply with the measures that have been taken. CRTV News, ici, toute l'info. Formé au Cameroun, j'ai joué à Puma Football Club et dans le canon de Yaoundé. Mon rêve a toujours été de voir une grande compétition se jouer sur le sol camerounais. Venez nombreux vivre les moments inédits du football africain. Total African Nations Championship Cameroun 2020. Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Africa, Cameroun welcome. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites 2, Yaoundé, Fandena, Douala, Bépanda, Douala, Japoma et Limbé, Bouéya.